Chers nouveaux visiteurs, bonjour et bienvenue sur Rétro Bazook, une chaîne exclusivement dédiée aux jeux vidéo. Hey, salut à tous! Ah tiens, le capitaine Musoïd a oublié ses lunettes de soleil chez moi. Bah heureusement qu'elles sont restées ici, hein. J'en connais d'autres qui en auraient profité pour faire des conneries avec. Oh ouais. A few moments later. Salut les mecs! Salut les bolosses! Amateurs de jeux vidéo qui jouent à la NES en 2020! Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Meurs pas sans ton bazook! Wouah! Oh! Bonjour et bienvenue dans le Rétro Bazook! Ça dépasse l'entendement! Et salut les amis, salut à tous et à toutes, vous êtes bien sur Rétro Bazook, je suis très très heureux de vous retrouver aujourd'hui, j'ai la pêche, et oui en effet, le Père Noël est passé, le Père Noël est là toute l'année, car j'ai reçu très récemment un énorme colis venu du Japon, si bien que je devrais diviser le déballage en deux parties, ouais, donc vous n'aurez pas une mais deux vidéos, mais juste avant de commencer cette petite vidéo one shot, j'ai deux annonces à vous faire, les amis. Et oui, prochainement, toujours en collaboration de l'extraordinaire Capitaine Musoïd, va arriver sur la chaîne des événements très importants. Enfin, très importants. Je pense que ça va vous plaire. Car, en effet, donc, pas ce vendredi, mais le vendredi de la semaine prochaine, déjà, on fera un énorme live en soirée où on testera tous les objets que je vais déballer dans cette vidéo et dans la prochaine. Donc voilà, donc là il y aura un énorme live, voilà, en mode détente, en direct, pour discuter avec vous un petit peu, avoir aussi votre opinion sur tous ces jeux venus du Japon, voir ce qui marche pas, quel mode on pourrait faire, quel jeu on pourrait faire en live, voilà, discuter avec vous également des expériences que vous avez sur les différents jeux, si vous en avez. Donc voilà, ce sera l'occasion de communiquer un petit peu. Et ensuite, juste après le week-end, donc pas le week-end de cette semaine, le week-end de la semaine prochaine, aura lieu un événement extraordinaire parce qu'on a prévu de faire un grand live, vide grenier live. Et pour ça, on va se déplacer, en France. On va réserver, louer un appartement en Airbnb et on va essayer de vous montrer un petit peu tout notre parcours du week-end. Donc le matin on va faire les puces, après on ramène nos trouvailles à l'appartement. À l'appartement, et eh ben on geek, on installe les télés, les consoles et on dose, on fait des vidéos et à la fin de tout ce week-end on vous montre le résultat. Donc voilà, donc ça ce sera le week-end du 25-26 juillet 2020. Donc ne manquez pas ça les amis, peut-être que la rediffusion aura lieu un petit peu plus tard, mais voilà, juste après. Donc ben voilà, j'ai la pêche, j'ai la patate, je suis très heureux, et allez, c'est parti. Vous allez voir, oh putain, ça pèse une tonne. Alors je me rappelle même plus, alors là c'est un lot combiné qu'on avait fait avec le Capitaine Musoïd, encore une fois, et oui, vous le reverrez assez fréquemment sur la chaîne, parce que voilà, parce que plus on est deux, plus on rigole évidemment. Donc bah, c'est parti les amis, je sais plus ce qu'il y a dedans, en tout cas c'est lourd, ça pèse 8 kilos et c'est que le premier des deux colis que je vais vous présenter. Voilà, le deuxième ce sera dans la prochaine vidéo. Donc c'est parti, on ouvre cet incroyable colis venu du Japon, ça fait plus de 2 mois qu'on l'attend et j'ai un petit peu oublié tout ce qu'il y avait à l'intérieur parce qu'il y en a des choses évidemment. Hop, et on commence par, comme d'habitude, beaucoup de papier bulle. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Pouah. Alors, un petit couvercle Nintendo. Alors, je sais même pas ce que c'est. Je sais même pas ce que c'est, très honnêtement. Un petit couvercle Nintendo, je sais pas sur quel appareil il s'emboîte.
Et ensuite, on commence tout de suite par du lourd, les amis. Alors ça, c'est des items qu'a commandé le bon Capitaine Musoïd. Un lot de Famicom. Et regardez-moi ça, c'est pas du lourd. On a dedans du Rockman ou Megaman. On a du Gradius, on a du Double Dragon 2. Qu'est-ce qu'on a encore? On a d'autres jeux que je connais un peu moins bien. On a du comment s'appelle ce jeu? Konami YY World. Donc celui-là, c'est le seul du lot que je vais récupérer. Tous les autres seront pour l'ami Captain Musoïd. Ah, attendez. Parce que ça vaut le détour quand même. Parce qu'il y en a aussi de l'autre côté. Donc je vais ouvrir ça. Allez, c'est parti. On ouvre le tout. Évidemment, Captain Musoïd, si tu me regardes, ben, grosse dédicace à toi. Évidemment, je mets tes jeux de côté et je te les filerai dès qu'on se reverra. Donc, Double Dragon 2. Voilà. Double Dragon, premier du nom que vous avez vu récemment sur la chaîne, en version Jap. Rockman 5. Rockman, premier du nom, il est assez rare celui-là, à ses côtés. Gradius, ou Nemesis. Konami YY World, donc celui-là il est pour moi, excellent. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? Rockman 4, voilà. Rockman 3. Qu'est-ce qu'on a encore? Ah bah non, mais il est là, Gradius, en fait. Ah, mais ça doit être Gradius et Gradius 2. Voilà, Gradius 2. Voilà. Après, putain, mais je me rappelle plus. Mais là, bon, on a un jeu Senseiya. Bon, ça, je pense que c'est pas hyper génial. On a un petit jeu Mickey, sympa. Très sympa, ce petit Mickey. On a... alors ça, j'ai oublié le nom. C'est... Samouraï quelque chose. J'ai oublié, mais c'est... Oh, c'est rien, les amis. C'est rien. Hop. Ma vidéo qui n'en croit pas ses yeux et qui tombe. Qui tombe à la renverse quand je lui montre toutes ces merveilles. Donc ça, j'ai oublié le nom, mais c'est un très bon jeu de ninja. Ça, sachez pas par contre, sachez pas, vous me direz en commentaire. Il y a quelques titres que j'ai oubliés. Ça c'est sympa aussi, je crois. Un autre jeu de ninja. Ça, je sais pas. Ça et ça, je sais plus, faudra tester. D'où l'intérêt de faire cette soirée de test le vendredi 24. Ça, je sais plus non plus, mais c'est un jeu Capcom. Donc, c'est quelque chose de... voilà. Un jeu Capcom, ça présage que du bon. Et puis enfin, un petit Dodgeball de Sunsoft. Donc voilà, ça c'était l'entrée, l'amuse-bouche, on va dire. Un petit lot, alors je sais pas combien il y en a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Une vingtaine de jeux, les amis. Une vingtaine de jeux Famicom, mais pas n'importe lesquels, comme vous avez pu voir. Donc ça fait déjà extrêmement plaisir, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout, les amis. Vous allez voir que ce lot est complètement fou. Alors on enchaîne par un gros lot en toile plastique. Deux manettes de Super Famicom. Voilà, une. Deux. Alors on s'est fait plaisir. On a dévalisé Yamauction. Trois. 4 et 5 manettes. Voilà, 5 manettes Super Famicom. Exactement ce qu'il faut pour jouer à Bomberman. Allez, on continue, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Un bout de papier.
Et à l'intérieur, des Super Game Boy, les amis. Donc voilà, des Super Game Boy japonais. Tac, tac. Et là, un jeu. Alors ça, je sais pas trop ce que c'est. Un jeu avec un adaptateur. Ça ressemble à une cartouche de Game Boy Advance qui est sur le dessus. Mais cela n'en est pas une. Donc voilà, pareil, on testera en live vendredi 24. Soyez présents, hein, les amis, ça va être terrible. Ça va être terrible ce live, on a de quoi faire. Allez, on continue, un deuxième paquet. Ah, il y en a ce soir. Et encore, je vous ai dit que je vous montre que la première pour la moitié. Voilà, des jeux Super Famicom encore. Donc, Fire Wrestling, un jeu de catch. Le fameux Star Fox. Tout le monde connaît. Appelé Star Wing en France. Un Mahjong. Bon, un Mahjong, c'est un peu de la merde. Mais voilà. Final 6. Tout le monde connaît. Castlevania 4. Les amis, Super Castlevania, évidemment. Excellent. Et un autre Final 6, voilà. Voilà. Peut-être que celui-là, ben, on vous l'offrira. Hein. Un de ces quatre. Faudra qu'on trouve un jeu. Si, ben, après, je sais pas si ça intéresse beaucoup de monde, des Final Fantasy 6 en japonais. On continue avec encore des jeux Super Nintendo. Et ouais, ça n'arrête pas, les amis. Un Mario Kart. Un grand classique. Un Makaimura. Donc ça, c'est Ghouls and Ghosts. Super Ghouls and Ghosts, excusez-moi, la version Super NES évidemment. Puyo Puyo 2 Remix. Voilà, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas Puyo Puyo, peut-être que vous connaissez mieux Dr. Robotnik Min Bean Machine. C'est le même jeu en fait, c'est un puzzle game qui prend un petit peu de Tetris, mais qui a une série de combos en chaîne. Et c'est vraiment sympa, j'adore les Puyo Puyo. Voilà. Un petit Kirby All-Star, très sympathique. Un jeu Ultraman, donc ça c'est un jeu de merde, hein. Testé par le JDG. Mais voilà, c'est toujours fun à découvrir à plusieurs. Toujours un petit jeu de merde dans le lot, hein, sinon c'est pas fun. On continue les amis, c'est pas fini, eh oui. Incroyable lot, incroyable. On a là Captain Tsubasa 3. Alors ça, je sais pas, c'est un jeu de baseball, je connais pas. Un jeu Konami. Donkey Kong Country 3. Alors ça... Ah, c'est Gundam SD, machin. Un jeu pas trop jouable pour nous autres occidentaux. Et bien sûr, le très célèbre Street Fighter 2 Turbo. Et c'est pas fini, les amis, c'est pas fini. On continue. Alors, on l'a attendu, ce lot, mais on n'est pas déçus. Hein. Et encore, je vous dis, c'est que la première partie. On continue avec encore des jeux Super Famicom. Alors, on a là Yoshi Island. Donc, la suite de Mario World. Donkey Kong Country 2. Ça, je sais pas. Ça, à vous de me le dire. Je n'ai aucune idée. Ça, c'est les Great Battle 4. Très bon jeu, ça. Très sympathique. Jouable en coop. Avec les personnages de... Kamen Rider, Ultraman et compagnie qui sont réunis là-dedans. Donc, celui-là, je vous le conseille. Il n'est pas hyper connu. Et évidemment, un super beat'em up pour finir. Sonic Blastman, voilà, celui-là j'avais très envie d'y jouer également. Vous me connaissez, hein, amateur de beat'em up. Mais ce n'est pas fini, les amis. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, des petits accessoires sympathiques. Donc évidemment, le secteur pour la Super Famicom, mais également deux souris, des souris Super NES. Voilà, il y en a deux. Donc, évidemment, il y en aura une pour moi, une pour le Capitaine Musoïde. C'est pas fini, les amis, c'est pas fini, ça finit pas, hein, ça finit pas. Encore des jeux Super Famicom.
Mais si vous saviez le prix qu'on a mis sur ce lot, c'est donné. Hein. Franchement, on a rien. On a rien payé pour cet énorme lot Super Famicom. Voilà, le troisième Donkey Kong, donc celui-là, premier du nom, vous avez déjà vu sur ma chaîne également. Un autre exemplaire de Super Goose and Goblins. Super Goose and Ghost ou... j'ai oublié. C'est en japonais, voilà. Pareil, hein, c'est le deuxième exemplaire. Peut-être que je le ferai gagner sur ma chaîne également. Liberty of Death, donc ça c'est un jeu de stratégie, on va rien comprendre parce que c'est en japonais, en plus ça a pas l'air d'être excellent. Un autre petit Kirby All-Star, ouais, il y a quelques doublons hein, quand même, et quelques triplés parce que regardez, encore un Final Fantasy VI, voilà. Donc si vous êtes à la recherche d'un Final Fantasy VI en japonais, prévenez-moi, je peux vous enfiler un sans problème. On enchaîne avec... encore deux petits jeux Super Famicom. Champions World Class Soccer, un jeu de football, je ne connais pas. Et encore un petit Mario Kart, pareil, si vous êtes à la recherche d'un Mario Kart en japonais, prévenez-moi. Je me ferai une joie de vous le filer. Ensuite, on a... ah bah voilà. Une sixième manette Super Famicom. Bon, je vais pas la déballer, on connaît les manettes. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une boîte, les amis. C'est une boîte de rangement Super Famicom. Et à l'intérieur, encore plein de jeux Super Famicom. Ah putain, c'est incroyable. Ce lot est incroyable, ça n'arrête pas. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a Dual Lords 2. Alors ça, je sais pas. Ça doit être du RPG Jap. Pas trop jouable, malheureusement. Ça, je sais pas non plus. Ouais, c'est un peu les jeux inconnus hein, qu'il y a dans cette boîte-là. Là, on a Fighting Eleven 2. Donc ça, c'est un jeu de football aussi. Fighting Eleven qui continue hein, encore de nos jours sur les consoles actuelles. Hein. Alors lui, j'ai oublié. Mais alors une Sunsoft, ouais, je sais plus. C'est un jeu un peu bizarre, genre jeu de plateau. J'ai un peu oublié ce que c'était. On a Golden Fighter. Un jeu de combat, on va dire. Putain, j'ai plus de voix à force de gueuler comme un fou. On a Super Keiba, ça je sais plus ce que c'est non plus. On a ça, je sais pas. Voilà, ça c'est les jeux, je sais pas, qu'il y a dans ma boîte. Ah, on a un nouveau Pariodus Da. Donc voilà, j'avais la version PAL que je vous ai présentée récemment. Voici la version NTSC, les amis. Un très bon shooter. On a Joe et Mac 2. Non, le premier Joe et Mac, excusez-moi. Ça aussi, j'aime beaucoup, ça, c'est de l'homme préhistorique, voilà, ça me ressemble, hein. C'est bonne ambiance, c'est graphisme cartoon, animation sympathique, tout ça, c'est cool. Un autre jeu de Mahjong, bon, voilà. Un autre exemplaire d'Ultraman. Et pour finir, alors, est-ce que ce serait pas... alors c'est à vous de me dire, mais je me demande si c'est pas Gambare Goemon celui-là. Je suis pas sûr, hein, je le connais pas bien. Enfin voilà, du coup voilà, donc dans la petite boîte sympathique prévue pour ranger les cartouches Super Famicom. Par contre elle est cassée sur le devant, donc bah, ça c'est une mauvaise surprise, mais on va dire, ouf, c'est pas grave. Hein. Franchement on va pas pleurer, on va pas renvoyer le colis juste pour ça. On voit qu'il y avait le logo officiel ici, mais il a été effacé. Je pense pas que ce soit une boîte officielle, parce qu'il n'y a pas d'inscription Nintendo nulle part. En tout cas, c'est sûr, c'est à la taille des cartouches. Donc c'est fait exprès pour les cartouches de Super NES. Donc voilà. Voilà pour les jeux, les amis. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans le carton? Je crois que ça y est. Je crois que ça y est, on a fait le tour du carton. Ouais.
Bon, il restait des câbles. Pas très intéressant. Du coup, voilà, les amis, un lot incroyable de jeux. On ne sait plus où les mettre. C'est fou, c'est fou. Et allez, petit bonus pour la fin. Deux autres petites lettres recommandées que j'ai reçues récemment. Pour le fun, hein, pour faire plaisir, évidemment. Alors, petit spoil, le deuxième colis qui arrivera un peu plus tard, ce sera plus du hardware, un peu moins de jeux, mais du très bon quand même, vous verrez. Donc voilà, donc petit. Donc dans cette lettre, j'ai reçu récemment un petit limited run de Street of Rage 4, les amis. Bon voilà, donc ça, un jeu que je pourrais faire avec l'OST évidemment. Et la carte qui est là, voilà. La petite carte. Tac. Avec le numéro d'authenticité. Donc moi j'ai l'exemplaire numéro 61. Donc voilà, ça fait plaisir. Et voilà, et un deuxième petit colis que j'ai reçu également aujourd'hui même, en même temps que le gros colis. Donc c'est une petite enveloppe dans laquelle il y a ni plus ni moins que... Tada ! Donc là vous voyez rien, je vais sortir du papier bulle. Donc c'est une version américaine de Castlevania Symphony of the Night. Le très célèbre Castlevania de la PlayStation. Complet les amis. Bon, c'est une boîte Greatest Hit. Ma foi, elle peut être aux yeux de certains un peu moins belle que la Crystal Box PAL. Cependant, que ce soit version française ou américaine, les deux sont en anglais. Et celle-là, elle est optimisée pour 60Hz. Et puis je l'ai payé beaucoup moins cher que ce que j'aurais pu payer pour avoir une version PAL. Du coup voilà, c'est complet. Bon, il y a quelques rayures, mais franchement, CD a l'air en très bon état quand même. C'est de l'original, hein. Aucun doute. Et puis voilà, puis il y a la notice aussi. Tac. Donc voilà, Castlevania Symphony of the Night. Extrêmement heureux de le rentrer évidemment. Surtout que, voilà, vu le prix qui coûte en version PAL, ça c'est l'avantage d'avoir aussi des consoles pucées, c'est qu'on peut se faire plaisir, on peut prendre de l'import, peu importe, j'ai envie de dire. Voilà les amis, donc on a mis le paquet pour cette petite vidéo open box collection de jeux. Regardez-moi cette effervescence de cartouches, Famicom, Super Famicom, du Limited Run, des versions Castlevania PlayStation, enfin, franchement, là, c'est le bonheur absolu, et ça, c'est sur Retro Bazook. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre la petite cloche, je vous fais des bisous. Si vous avez des questions ou n'importe quoi, que vous voulez le dire, n'hésitez pas à le faire sur la chaîne. Sur ce, je vous retrouve très bientôt sur... Oh, bienvenue et bonjour dans le... Hey, salut et bienvenue dans le Retro Bazook. Oh.